Hello, my dear beautiful people. What's up? I hope you are all doing well. If so, let me welcome you to this new episode. Yes, baby, I'm back. I'm officially back. I'm definitely back in Congo South Forever Daddy mode. And let me tell you something. Today, the tea is hot. It's very hot. And if you are not careful, let me tell you again. It will burn you. It will seriously burn you. Je disais dans ton dos, bonjour mes béchas. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Même si c'est pas le cas, vous savez déjà qu'ici ça va aller puisqu'on est entre nous. Vous savez aussi qu'entre nous, Bécha, c'est l'amour, la joie et la bonne humeur. Sur ce, je ne peux que vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Lasson alias Papa Kongosa. Je suis de retour, mes Bécha. Je suis officiellement de retour en mode Papa Kongosa Forever. À un moment donné, j'ai cru que l'amour que j'avais pour le Kongosa, à un moment donné, j'ai cru que l'étincelle que j'avais pour le Kongosa s'était éteinte. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est du tout pas le cas. C'était juste une petite phase. Et dans cette phase, j'ai voulu danser avec un seul pied. J'ai littéralement voulu changer. Au lieu de continuer à danser sur la même phase comme Freddy. De toutes les façons, comme je l'ai dit, ça m'est passé. Maintenant, on est là pourquoi? Laissez-moi vous la faire en mode Papa Kongosa Forever. Ma, ça cuit jusqu'à ta entre les besties du monde mondial. Ça cuit jusqu'à ta entre nos influenceuses. Ça cuit jusqu'à ta entre nos entrepreneurs à 5 millions de francs CFA par jour. Ça ta jusqu'au point où l'une d'entre elles n'arrive du tout plus à se contenir. Ça t'a jusqu'au point où l'une d'elles n'arrive même plus à se taire. Jusqu'au point où l'une d'elles insulte ouvertement l'autre. Est-ce qu'on va y arriver? Je pense que oui. Mais cette fois-ci, quelqu'un va perdre sa tête là à l'intérieur. Maintenant, on arrive au fait. La divergence de nos idées ne peut nous empêcher de nous concilier. Divisés, on va vers la chute. Mais unis, on peut faire plus. Alors, vivons ensemble, unis et sans discrimination. Tous ensemble, soutenons-nous, main dans la main, vivons ensemble. Ok mes bichas, avant qu'on aille loin, accordez-moi quelques secondes de votre temps pour vous parler des produits Belle Secret. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis en collaboration avec ce laboratoire depuis novembre 2020. C'est vrai que je n'ai pas encore atteint la perfection, mais laissez-moi vous dire que ces produits-là marchent. Je suis littéralement passé de ça à ça. Ou bien même à ce que vous voyez là devant vous. Maintenant, toi, Bécha, qui souffre d'acné, je vais te recommander quelques produits Belle Secret et tu vas voir que cela va beaucoup t'aider. Tu vas, après cette vidéo, aller sur le site www.bellesecret.org. Et lorsque tu vas arriver sur le site, toi qui souffres d'acné, le tout premier produit que tu vas mettre dans ton panier sera la gamme anti-acné. Oui. Belle Secret à la gamme anti-acné. Tu vas aussi beaucoup privilégier les soins de visage. Et comme produit pour prendre soin de ton visage, tu vas prendre le gommage à la vitamine C. Puis tu vas prendre le Brightening Facial Mask. Tu prends également le Brightening Crème Facial. C'est une crème qui contient de la crème solaire, beaucoup de crème solaire même. Pour toi, Bécha, qui souffre depuis un certain temps des taches noires, je suis là toujours en train de parler du visage. Tu vas prendre le savon Kojic. Tu vas aussi prendre la lotion tonique. Tu dois prendre le sérum à la vitamine C et l'huile à la vitamine C. Je vous ai dit que j'allais vous donner le mode d'emploi sur Instagram. Après avoir pris tout ce qui concerne le visage, tu vas également prendre les produits pour le corps. Et moi, j'utilise la gamme Gold Skin. Toi qui as un teint ébène, tu peux utiliser la gamme ébène. Je voulais plutôt dire la gamme caramel. Et toi qui as déjà un teint très éclatant, tu peux utiliser la nouvelle gamme qui vient de sortir. Après avoir fini de remplir ton panier, n'oublie surtout pas d'utiliser le code promo IL20 pour 20% de réduction. Pour ceux qui ne le savent pas, hier était l'anniversaire de Beverly Hills, la fille de Natu National. Qu'est-ce que je suis en train de raconter comme connerie? La fille de Natu International. Elle a déjà traversé les frontières du Cameroun. Et ce, depuis très très longtemps. Si ce petit sobriquet vous gêne tant, laissez donc moi l'appeler affectueusement Bérénice Nambuntum. Seuls ceux qui ont regardé la série Paloma vont comprendre de quoi je suis en train de parler. Et vous qui ne comprenez du tout pas de quoi je suis en train de parler, ne cherchez du tout pas à comprendre. Je disais donc tantôt, hier c'était l'anniversaire de Beverly Hills, la fille de Natu International. La fille du seul fouéniste qui renaît de ses cendres à chaque scandale. Le seul fouéniste le plus rare au monde. Et comment vous le dire?
en fait. Aucune de ces sœurs influenceuses que vous connaissez là, aucune de ces sœurs entrepreneurs à 5 millions de francs CFA que vous connaissez là, pour être précis, ni le biscuit le plus croustillant d'Afrique et même des Émirats arabes, ni Maman Afendi, celle-là qui a déjà roulé sa bosse dans la farine. Et ce n'est pas moi qui le dis, vous le dites vous aussi, mais c'est ma voix qui porte tout haut. Elle sait très bien qu'on lui a déjà collé cette étiquette-là sur le corps. De toutes les façons, ne nous laissons pas distraire. Je disais une fois de plus, aucune d'elles n'a souhaité joyeux anniversaire à Beverly Hills. Je ne sais pas aussi si le nom de la fille de Nato International, c'est Beverly Hills. Si ce n'est du tout pas le cas, veuillez s'il vous plaît m'excuser. Veuillez s'il vous plaît me déposer où je suis assis ici là. Parce que ce n'est pas moi, monsieur le maire. Ce n'est pas moi qui lui a fait son acte de naissance. Vous me direz en ce moment, scandale. Comment cela a pu être possible? Comment est-ce que ces sœurs influenceuses, comment est-ce que ces sœurs entrepreneurs à 5 millions de francs CFA par jour ont fait pour oublier cela? Quand on sait surtout que Nato International est toujours là pour ces deux sœurs influenceuses. Je ne suis du tout pas en train de dire que Nato International n'est pas aussi influenceuse. Et maintenant, ce que ça va trop choquer là, vous pouvez sauter et caler en l'air. Autant vous dire que ça lui a vraiment fait mal. Autant vous dire que ça l'a vraiment touché intérieurement. Mais vous la connaissez avec son ego surdimensionné. Elle a fait comme si de rien n'était. Elle a plutôt fait ce qu'elle savent le mieux faire. C'est-à-dire venir nous vendre du rêve sur Snap. Avant même d'y arriver. Avant même de commencer à lire les Snaps de Nato National qui a apporté tout ce toyiboyi. Laissez-moi vous remettre dans le concept. Ou bien laissez-moi vous faire un flashback. On se souvient tous très bien de cette fameuse réconciliation dans l'un des épisodes des Lifeuses à Dubaï. On se souvient encore plus de ses nombreuses interviews dans lesquelles elle disait: pour moi, le plus beau souvenir, c'est la réconciliation. Mm-hmm. C'était un moment fort, mais tellement fort que le public n'est même pas prêt pour ça. Ouais. Je crois qu'il y a ça en image. Dommage, ça n'a pas été diffusé lors de l'émission. Tu peux nous en dire tellement plus? Tellement fort qu'il y a eu beaucoup de rires. Enfin, au départ, il y a eu des éclats de voix. Ensuite, il y a eu beaucoup de larmes, de colère. Ouais. Qui se sont transformés en larmes de joie, wow. Okay. Oui, avec beaucoup d'émotions, oui, parce qu'on s'est rendu compte qu'au final, on est trois femmes avec pratiquement le même parcours. En parlant de Coco Emilia. Hein. Oui, on a le même objectif. Au final, on est des mères d'enfants. Mm-hmm. On veut leur donner la meilleure éducation possible. On se bat, on est tous des chefs d'entreprise. Donc, pourquoi est-ce qu'on est les unes contre les autres? Ibrahim, tu avais tout faux depuis le début. Ces filles-là se sont bien jouées de toi. En réalité, elles n'ont jamais été ennemies. En réalité, c'était une mise en scène pour mieux faire la publicité de leur pseudo-télé-réalité, les Lifeuses. Télé-réalité qui, pour moi, jusqu'à preuve du contraire, est un véritable fiasco. J'ai bien dit pour moi. Je n'ai du tout pas parlé pour vous. Vous savez déjà que je ne suis du tout pas là pour dire ce que vous voulez entendre, n'est-ce pas? Cool, cela veut dire que nous sommes sur la même longueur. On va maintenant commencer à lire les snaps de Nato International et on va aller pas à pas. Elle a dit pour commencer, elle est rentrée de l'école et a découvert mon cadeau pour ses 6 ans. Qui veut imaginer sa réaction? Allah, surtout pas moi en fait. Et que les choses soient claires dès le début, je ne vais du tout pas aller dans votre sens. Je ne vais du tout pas être du côté de Nato International. Ou du moins, je ne vais du tout pas être tendre envers elle. Je vais répondre à ses snaps coup par coup et définitivement oui, c'est mon aigreur qui va prendre le dessus dès à présent. Joyeux anniversaire, mon amour. Tu ne sais pas encore conduire, mais au moins pour ton école et tes sorties, tu vas laisser mes voitures respirer. Mode aigreur définitivement activé. Si Nato International dit posséder autant de voitures, si son parking est autant rempli, pourquoi ne pas juste octroyer une à sa fille pour ses courses et son école? Ou cela ne me regarde pas? Ou c'est son argent et je dois juste la fermer? De toutes les façons, je pense qu'à ce niveau, vous avez tout à fait raison. Beverly et moi l'avons testé. Elle est trop agréable à conduire, mais trop basse pour moi. Tia, il faut savoir que ce snap est accompagné de la voix du monsieur qui dit: on ne pleure pas, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Interdit.
Si tu pleures, c'est trop grave. Et je pense que c'est à ce niveau que tout a commencé à se compliquer, que notre dispute a commencé à se sentir mauvaise. Pourtant, moi, je l'avais très bien compris. J'avais définitivement compris qu'elle s'adressait à ses abonnés qui sont aigris comme moi, à ses abonnés remplis de frustration comme moi. On a fait de ce nouvel achat une affaire d'État. Pour nous, c'était tout simplement inconcevable que Nato International offre à sa fille de 6 ans une voiture, alors que jusqu'à preuve du contraire, elle est toujours en location. Vous pensez qu'on s'est arrêté là? Non. Le mode aigre était définitivement activé et c'était cela qui nous commandait. On est allé jusqu'à dire que son argent est conditionné. On est allé jusqu'à dire que son argent là, elle ne le travaille pas à la sueur de son front, mais plutôt à la sueur de son. Qu'elle veut montrer au monde qu'elle existe aussi. Voilà maintenant que pour rebondir sur nos attaques, sinon elle est trop mignonne cette voiture et la consommation est juste parfaite. Ma première voiture, je l'avais eue à 21 ans je crois et je vous assure qu'elle n'était pas aussi belle. Elle en a de la chance ma boubounette. Grâce te soit rendue papa Yahvé. À ce niveau, elle a voulu définitivement nous faire comprendre qu'elle n'a du tout pas connu la pauvreté comme certains d'entre nous. Voilà que pour finir, Nato International a directement commencé à répondre aux questions de ses abonnés. Elle a définitivement voulu leur prouver qu'ils n'étaient du tout pas de la même classe sociale. Elle a voulu leur montrer et prouver par A plus B qu'elle avait beaucoup d'argent et que cet argent la faisait son bonheur. Que grâce à cet argent, elle misait bien sûr l'avenir de sa fille, ce qui est plutôt bien. Elle a aussi, comme je vous l'ai tantôt dit, voulu prouver qu'elle existait. Qu'après Samuel et ton fils, elle a eu beaucoup d'argent. Si et seulement si elle savait. Un de ses abonnés ou une de ses abonnés lui a dit: tu oublies que tu nous avais dit ici que papa lui avait offert la Prado à l'époque? Ou alors bonne nuit, désolé. Ce à quoi Nato va répondre: devoir de mémoire pour les papatos est mis au point. Quand tu veux questionner ma mémoire et remettre en doute mes propos, rassure-toi d'être dans le vrai. En 2018, son papa lui a offert une Mercedes GLK. C'est cette voiture qu'il a principalement accompagnée à l'école pendant 3 ans et plus. À Douala, nous sommes venus uniquement avec ma Range Rover. Bon, elle a dit mon Range Rover. Pourtant, c'est une voiture. Et j'ai eu ma Mercedes qui sont pour moi des voitures trop luxueuses et onéreuses pour son école et ses balades le week-end. Moi, sa mère qui l'est accouchée et qui travaille mon argent uniquement pour elle. J'ai décidé de lui prendre sa voiture à elle ici à Douala. J'ai préféré une nouvelle voiture pimpante à celle de 2018 offerte par son père. Nato, you are definitely welcome. Voilà alors le snap de trop. Voilà ce pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Pour conclure, sachez que je suis bête et je mange tout dans la bouche. Je ne sais pas en quelle langue je dois vous le dire. Ouais, je suis bête et la condition c'est ce que je mange dans la bouche. Genre, elle veut nous dire qu'elle fait aussi porti-porta. Moi, je sais très bien lire entre les lignes. Ou peut-être qu'elle s'adressait à quelqu'un en particulier. Les gens qui partent tout le temps à Dubaï. Et qui dans son entourage va tout le temps à Dubaï. Le biscuit le plus croustillant d'Afrique et même des Émirats arabes. Et un tout petit peu sa Sissi de la Côte d'Ivoire aussi. Oh my lovely goodness, not to clash for, hein? Et en plus, elle le fait en mode sourdine. En mode, je le fais, mais sans toutefois citer de nom. Maintenant, à vous de comprendre. Et sachez aussi que si vous ne vous voyez plus avec une fréquentation, ne spéculez pas, c'est de ma faute. Parce que je suis très méchante, d'une jalousie maladive envers tout le monde. Et j'ai un cœur si noir que c'est un calvaire d'être mon ami. Allez, bisous. Vous allez comprendre plus tard pourquoi est-ce qu'elle a fait ce snap. Voilà donc, Esma Weremba s'est sentie mauvaise. Elle s'est tout simplement mouchée. Nathalie, je ne prends pas deux chemins pour te parler. Ce que j'attendais depuis, tu l'as fait. Tu lances des pics. À qui ma chérie? À qui bébé? Tu peux ouvrir ton bec là, madame renaître. Continue avec tes pics. C'est de ça que je parlais dernièrement. Biscuit de mer se pense légitime pour insulter les autres, mais ne veut pas qu'on l'insulte en retour. De toutes les façons, tu auras ce que tu cherches. En deux mots, tu seras fini. Bref, même quand on n'a pas honte, il faut avoir peur de Dieu. Tu sais de quoi je suis capable. Je suis l'ouragan. Je terrasse tout. Ma ouragan Katrina, je vous salue depuis votre position. Mais reste sur tes gardes. Parce que ma sista, ma puce, je suis plus vicieuse que toi. Yugoté, tu vas supporter ce que tu as commencé là. Tu fais les statues à qui et à quel âge? D'ici celle-là qui passe son temps à faire des statues visées. De toutes les façons, ça ne me regarde du tout pas. En tout cas, j'étais prévenue. Oui, tu es méchante comme je l'ai dit dans mon message. Aigrie, vilaine, manipulée. Manipulatrice et stupide. Ta conscience est en train de te tourmenter. Ma mère, tu n'as encore rien vu. Ce n'est que le début du commencement. Tu ne supportes pas le bonheur des gens?
God pour dire m'autant. À ce niveau, j'ai envie de demander qui ne supporte du tout pas le bonheur des autres, qui ne supporte du tout pas le succès des autres. De toutes les façons, comme je l'ai tantôt dit, cela ne me regarde aucunement pas. C'est soyant même. Pouf! Ce que tu as commencé, je vais me charger personnellement de le finir pour toi. Après ce snap extrêmement piquant de l'influenceuse de la non-camaraderie, de l'influenceuse aux 5 millions de francs CFA par jour, du biscuit le plus croustillant d'Afrique et même des Émirats arabes, Nato International, Berenice Nambuntum, le seul fouinis qui renaît de ses cendres à chaque fois qu'il y a un scandale, a tenu à rétablir l'équilibre, a tenu à remettre tout dans son concept. Ouais, Coco Massista, je ne m'adressais pas à toi. Je n'étais même pas loin de penser à toi quand je rédigeais ce message ce matin. Et je répondais aux harcèlements inbox. Ce n'était pas un pic contre toi. Ouh là là. Lorsque mon opinion sur toi fera l'objet d'une gêne, sera flou pour X ou Y raison, je t'appellerai et ou je t'écrirai directement comme je l'ai toujours fait. Sincèrement, Nathalie, je viens en paix, ma sister. Mais c'était sans connaître la reine de la non-camaraderie. C'était sans connaître que le moulin était déjà en marche. La machine était déjà lancée et on ne pouvait du tout plus faire machine arrière. Enough is enough. Ça devient même quoi? Nous tous, on peut écrire, hein? Merde, ma chère Nato International, jouer la victime, ton passe-temps favori. Tu ne comprends jamais de quoi on parle. Sista, quelle sista? C'est de toi-même que tu te moques, pas de moi. Une sista de qui? Foutaise. C'est décevant, c'est triste, c'est même souillant à la longue. Ça fait mal la trahison, ça fait très très mal. Peace. Mais vraiment, quel gâchis d'avoir pensé qu'on pouvait être amis. Quel gâchis d'avoir pensé qu'on pouvait se rabiboucher après tout ce temps. Maintenant, je vais venir à la source de cette guerre. Je vais vous lire le snap qui a occasionné tout ce toyiboyi. Et il faut savoir que les hostilités a été lancées par Coco Emilia. Pourquoi est-ce que j'ai cité son nom? De toutes les façons, je ne suis du tout pas allé fouiller dans sa vie. Je suis resté sur les réseaux sociaux comme vous et c'est venu me trouver. Je disais tantôt, c'est le biscuit le plus croustillant d'Afrique et même des Émirats arabes qui a lancé les hostilités. Il faut savoir que le 13 septembre 2022, répondant à une abonnée, elle avait dit concernant sa sœur Nathalie Nkwa. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'était toujours sa sœur. Nathalie Nkwa est réellement une sorcière, voire même une vampire. Le degré de méchanceté, d'envie et d'aigreur qu'elle a dans le cœur est effrayant pour nous aujourd'hui. Waouh! Si c'est toi qui le dis vraiment, c'est que c'est sérieux. Il faut savoir qu'elle n'a du tout pas posté ce message par son bon vouloir. Elle a posté parce qu'une page Kongosa l'avait déjà posté. Il faut aussi savoir qu'après avoir écrit cela, elle-même avait fait la capture et l'a partagé à tous ses proches. Et c'est parti tomber entre les mains de Nathalie Nkwa. Voilà pourquoi quand Nato a fait sa sortie, elle a cru qu'elle s'adressait à elle. La guerre est lancée. La machine est déjà en marche. Et cette machine-là ne fera du tout pas machine arrière. Alors, puisque je suis Papa Kongosa, en plus en mode forever, je vais vous tenir informé de la suite. Maintenant, avant de conclure, je vais vous faire part de mes intentions. Il faut savoir que dès le début, pour moi, cette fameuse réconciliation était une pure hypocrisie. Deux femmes qui ont goûté au même bangala ne peuvent du tout pas s'entendre jusqu'à la fin des temps. Deux femmes qui ont goûté au même bangala vont se détester jusqu'à la fin des temps. Je souhaite ainsi. Vous allez définitivement comprendre que ce problème est bien plus profond que vous ne pouvez vous imaginer. Que le jour où ça va véritablement péter, les victimes se feront des masses. Mais il y a un adage qui dit: quand le tam-tam de la mort se met à battre, seuls les survivants pourrait encore l'entendre. Sur ce, mes béchats, j'espère que vous avez bien aimé mon comeback. Si c'est le cas, bombardez-moi de pouces bleus en l'air. Partagez aussi la vidéo pour que notre communauté puisse continuer à s'agrandir. De là, on se reprend à très bientôt. May God bless you. Kiss! Bécha, ne fais jamais confiance en qui que ce soit. Garde toujours tes yeux bien grands ouverts. Car c'est ton propre orteil qui joue aux innocents. C'est ton propre orteil qui joue aux innocents. Qui finira un jour par vous trahir. Qui finira un jour par percer votre chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant.